Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur ma chaîne. Et tout d'abord je tiens à m'excuser pour le peu de vidéos que j'ai sorties pendant les deux derniers mois à peu près. Hein. Parce que j'ai voulu faire un peu de PVP sur ma chaîne parce que après tout, avant tout j'adore le PVP. Mais donc, soit la personne à qui j'étais sur Skype pour tourner la vidéo ne l'entendait pas. Et je n'ai pas réussi à rehausser sa voix. D'ailleurs si au passage quelqu'un sait comment faire qu'il me dit. Disent, ce serait très sympa à lui. Voilà. Et aussi, j'ai voulu poster des tutoriels parce que je n'avais pas d'idée jusqu'à ce que je trouve un mode que je savais pas que ça existait. Enfin, je savais que ça existait, mais que dans les Hunger Games, qui correspond en fait un peu au kit qui Lumberjack, hein, si je ne me trompe pas. C'est un kit, évidemment. Évidemment, il pleut. Tous les mondes créatifs font ça, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, Lumberjack, c'est un kit qui permet de casser instant tous les arbres. Et c'est vraiment très très pratique pour faire des tourelles, des tours, etc. Donc, aujourd'hui, je vais vous l'apprendre. Je vais vous apprendre à le faire en vanille. Donc, tout d'abord, j'ai une hache normale. Et une hache qui est renommée Axe. Donc vous vous rappelez, vous connaissez, casser un arbre, c'est long, ça prend 3 plombes. Et bah ça, c'est fini. Je vais vous montrer pourquoi. Et voilà. Le tronc qui saute directement, si ça c'est pas vous, ça va tellement plus vite. Allez hop, le boulot, ça c'est fait. Le sapin. Hop. Attendez, je vais dégager un petit peu pour qu'on puisse bien voir. Là, je vais casser celui-là. Et hop. Voilà, donc là vous voyez c'est juste nickel, il n'y a pas de tronc restant. Alors maintenant on va s'attaquer au bois de chêne noir puisqu'il est très intéressant puisqu'il pousse avec un tronc 2x2. Donc il rapporte énormément de bois. Donc là vous voyez hop, j'ai tout simplement cassé tous les blocs de bûches. Et donc là voilà, hop. Voilà. Donc ça c'est vraiment un outil très très magique et génial pour le monde survie. Donc on va parler. On va passer tout de suite à la partie explication de ce tutoriel. Et donc nous voici devant le système que vous avez sûrement vu quand je me suis mis à bouger pour faire de la marche arrière. Mais alors sachez tout d'abord que le système là n'est pas du tout compacté, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre très facilement. Sachant que vous voyez tous les blocs, on peut les rapprocher les uns des autres, il n'y a pas de problème, on peut même les mettre. Vous pouvez même les mettre comme ça, oui, il n'y a pas de problème. Oui, alors, si ma barre est extrêmement grande et que je peux faire des slashes en appuyant sur tabulation, donc les deux flèches inversées l'une par rapport à l'autre, qui me permet de changer les commandes dans un plan bloc. C'est un mode que CrushedPixel a créé, et franchement, génial. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description si vous voulez. C'est vraiment génial et super pratique. Donc j'en étais rendu, sachez que tous les blocs du monde peuvent être rapprochés et mis sur plusieurs lignes. Donc devrait pouvoir tenir à peu près sur ça. De là à là à peu près. Donc pour commencer, on va créer deux objectifs. Donc un objectif OR ID. OR donc c'est pour les blocs de minerai, mais c'est pas grave. De type demi. Et l'autre Diamond Axe, de type demi aussi. Ensuite, nous avons une cloque principale. Celle-ci, qui permettra, vous voyez donc la cloque habituelle de ce bloc, qui permettra de détecter si le joueur a dans sa main ou pas une Diamond Pickaxe renommée Axe. Donc sachez, on peut mettre Axe ou vraiment n'importe quoi, ce qu'on veut, même mettre des restrictions au niveau de la description. Donc si vous voulez faire en sorte que votre item soit unique au monde, il suffira de faire en sorte que ce soit la description qui soit détecté et non le nom. Donc, je vous l'avais pas dit, mais si jamais le joueur a sélectionné cet item là, le score Diamond Axe va passer à 1. Donc, je vais vous montrer tout de suite, slash scoreboard objective, set display, sidebar, Diamond Axe. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, si je sélectionne notre hache, ils sont à 0, et si je sélectionne cette hache là, ils sont à 1. Donc, si ce score est à 1, ce qu'il va se passer, c'est que le comparateur va détecter cette validation de conditions, donc les sélections, et va envoyer un courant ici, ce qui va faire spawner un bloc de redstone, zoop,
à cet emplacement là. Et ensuite, si jamais ce n'est pas le cas, donc si jamais je n'ai pas ma hache sectionnée dans ma main, ce qui va se passer, c'est que ça va s'éteindre et du coup la torche va s'allumer. Ce qui va faire spawner un bloc de redstone 10 blocs plus loin, donc ici là, au-dessus de celui-là, et ensuite retirer ce bloc de redstone par de l'air, enfin plutôt remplacer par de l'air. Pourquoi? Parce que sinon ça va bloquer le système. Sachez que, donc là je vais vous montrer. Hop, on va pouvoir le voir apparaître juste ici. Voilà, vous voyez, voilà. Il est apparu, il a disparu. Donc en fait, pourquoi? C'est parce que on ne veut pas que, enfin, c'est destiné au multijoueur aussi autant que le solo. Et en fait, comment dire ça? Si, alors, imaginons un des joueurs, imaginons il y a 3-4 joueurs sur le serveur. Et un des joueurs un des joueurs a la Diamond Axe, mais les autres ne l'ont pas. Donc en fait, ça empêche ça fait en sorte que tous les joueurs qui vont utiliser ce circuit soient obligés d'avoir la Diamond Axe celle-ci dans leur inventaire sélectionné. Ça permet de d'éviter qu'il y ait qu'une seule personne qui l'ait et que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Donc alors en temps normal, c'est désactivé. Mais si je sélectionne, ce qui va se passer, c'est que déjà ça va faire spawner un bloc de redstone juste là, premier à apparaître. Donc c'est une fight clock classique. Le bloc de redstone arrivant ici va locker la clock, donc on va l'arrêter. Ensuite, vu que c'est le bloc de redstone en premier qui est actif en premier, et ensuite l'air, ça va remplacer celui-là, il va être bloqué, et ça va avoir le temps de remplacer tous les blocs là par de l'air. C'est pour ça qu'il ne reste plus rien. Donc fight clock. Ici, nous allons, alors déjà, ça c'est les deux comptes blocs clés du système, c'est pour ça que je les ai mis à part des autres. Celui-là, il jette il met à tous les items qui sont au sol, donc droppés comme ceci par exemple, comme ça. Il met l'objectif à ces entités-là, hop, à deux. Et au lieu que la bedrock soit affectée, on va mettre item 2.id minecraft 2.log2. Pourquoi 2? Parce que quand vous écrivez log ici, vous avez log, et là vous avez log2 et log2. C'est les deux derniers blocs de bois qui sont ajoutés dans Minecraft, donc log2, attention à ça. Parce que sinon ça n'aurait pas affecté du coup le chêne noir de là-bas. Donc dans un premier temps, ça va les mettre l'objectif or ID à 2 à tous les items de type log2. Donc excusez-moi, le bois de chêne noir et le bois d'acacia. Ensuite on va faire pareil, sauf que au lieu de mettre l'objectif or ID à 2, on va mettre à 1 pour tous les logs sans le 2, donc les autres bois log, donc pour tous celui-là et celui-là. Donc ce qui sera très pratique pour la suite, je vais vous l'expliquer. Donc ensuite, alors c'est une commande assez complexe, je vais pas vous le cacher, donc c'est un slash exécute, donc toutes les entités qui sont droppées, donc là, en l'occurrence c'est ceux qui ont leur score or ID minimum 1 et maximum 1, donc qui correspond donc log, je vais presque faire des copier-coller, ça ira plus vite, donc qui va détecter si sur ces 4 bois là, si un bloc au-dessus, donc maintenant je vais voir que je commence à vous représenter. On va prendre le bois de chêne. Hop. Donc là, nous avons notre bûche et imaginons nous cassons ici. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'un item va être droppé en dessous, ce qui est totalement logique. Bon, toi, tu vas rester en dessous. Voilà. Donc là, on voit bien, vous voyez, il est bien sur la case. Et donc, c'est ça qu'on va détecter. Celui-là, cette entité de type item, va regarder si au-dessus d'elle elle a un bloc, donc là en l'occurrence c'est un bloc, il détecte un bloc au-dessus s'il y a un Minecraft log 0 qui correspond aux chaînes classiques, et si c'est le cas il va faire un set bloc, donc un bloc au-dessus, donc le bloc qu'il vient de tester il va le transformer en air et il va le casser et non le remplacer, parce que s'il remplace les items ne vont pas dropper. Ce qui est quand même un petit peu embêtant, parce que le but c'est quand même de récolter du bois. Mais
vous avez vu quand même que tout se cassait comme ceci et non pas un seul bloc, non pas un seul bloc. Donc je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que au moment où celui-là est cassé, il teste au-dessus de lui. Donc celui-là, il va tester, il va être remplacé, qui reteste en même temps au-dessus de lui, etc., etc., etc. Donc ça permet ensuite de faire, je vais vous montrer, de casser autant de bois qu'on veut. On va monter jusque-là. On va s'équiper de notre petite hache, on va activer le circuit. Je vais mettre en game mode 2, sinon ça ne va pas marcher. Game mode 0. Je vais casser. Là, vous voyez, tout a cassé. Voilà. Donc, on va écouter tout ça. Histoire que ça ne foute pas le terrain. Hop. Et donc, là, c'est exactement... donc, 0 correspond aussi au damage value. C'est-à-dire, on va mettre log. Vous allez voir, il y a log, Minecraft.log, mais au-dessus, il y a écrit bois de boulot, hashtag 0017, slash 2. Et le 2, c'est la damage value, qui permet de déterminer quel bois correspond à quel bois. C'est-à-dire, le boulot, ce sera le 2, et le bois sapin, ce sera le 1. Alors que le ID commun, c'est log, de Minecraft.log. Donc là, c'est exactement pareil. Sauf que au lieu que ce soit log 0 c'est 1 etc etc sur cela et là c'est exactement le même pareil sauf que là c'est au lieu que ce soit or ID à 1 il sera à 2 pour détecter le bois d'acacia et le bois de chêne noir. Donc on teste au dessus et là encore on met le 2 parce que on teste le bois de chêne noir et d'acacia et 0 qui correspond à l'ID de l'acacia et le 1 à l'ID du chêne noir. Donc encore une fois, on remplace le bloc au-dessus par un bloc d'air qui détruira le bloc de chinois. Ça fait des explications. Donc je vais casser juste ça. Hop, je vais revenir. Et donc les deux derniers camp blocs, donc celui-là d'ailleurs il n'est même pas indispensable. Je peux faire même... Est-ce que ça servirait à quelque chose? On va le mettre juste là, ça compactera encore un petit peu de circuit. Donc, je vais réactiver le système, du coup il va falloir que je réduise la clock. Donc en fait, donc là on a expliqué. Mais ici, si je vais retirer ce compte bloc, hop, voilà. Là vous voyez, je n'ai plus sélectionné ma première hache, et mon score Diamond Axe reste à 1, donc ce qui est embêtant. C'est pour ça qu'on met ceci pour le remettre à 0 tout le temps. Parce que sinon ça veut dire qu'il reste. Reste activé, c'est un peu embêtant. Voilà, donc je vais replanter un ou deux arbres. Sapling, prendre du bois de chêne, non, du bois de bouleau et du bois d'acajou. Ouais, d'acajou. On va prendre de la poudre d'os. Hop. Toc. On va les faire pousser. Hop. Game mode 0. On casse ici, ça va rien faire parce que c'est pas la bonne hache. Ici, on casse avec la deuxième, voilà, directement. Donc, j'espère que ce circuit vous aura plu. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lire les commentaires.